Hey! Certains degrés, même assez dur, on ne sait pas si ça les raisons, mais on assiste à une qualité de jeu incroyable. Ça augure une
bonnes perspectives pour African Super League. Donc on dit la valeur pour toute une société, pour toute une organisation, c'est son peuple. Nous, pour notre compétition, c'est nos joueurs. Le football africain, il y a des talents. Le football africain va étonner. C'est sur ma fin quand même, même la Coupe du Monde. Moi, les gens sont contents de dire que le Maroc était arrivé, c'est la première équipe d'arriver en demi-finale. Moi, j'aurais même 4 équipes africaines. Donc, regardez la plupart, la plupart de l'Afrique joue en Europe. C'est pas par plaisir qu'il faut. Il n'y a pas assez d'infrastructures adéquates. Et puis, financièrement, ils ne se retrouvent pas. Donc, il faut que nous créions un environnement favorable pour pouvoir faire à l'Afrique. C'est vrai, c'est le thermomètre de nos talents en Afrique. Il faut les encadrer. À ce niveau qu'on a, ça commence très tôt. Éduquer nos jeunes talents. Comment positionner les talents, comment faire payer, comment tout ça, des formations. Il y a une équipe que je ne m'attendais pas, qui a démontré un football incroyable, c'est Madagascar. Les Malgaches ont joué un football que nous avons tous. Ils ont joué un très très bon football. Certains qui nous ont déçus. Quand on regarde l'équipe de la République démocratique du Congo, l'équipe de la RDC, excusez-moi, mais c'était à la limite pathétique. J'ai regardé la liste des matchs des joueurs de la Côte d'Ivoire. Je comparais avec la liste des joueurs l'équipe congolaise, si je ne me trompe pas, un des joueurs est né en 2000. Ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a pas une formation dans la politique du football congolais. Ils ne font pas la formation. Mais au Sénégal, on voit des enfants qui l'ont en 2000, 2004, des jeunes joueurs qui ont joué. Et puis les résultats étaient là. Donc ça, c'était une grosse déception. Les Tchad est transmis dans plus de 66 pays. Donc, c'est-à-dire au-delà du continent africain qui a 54 pays. Que dire de certaines rumeurs qui font état d'une éventuelle suppression du championnat d'Afrique des Nations, Tchad? La volonté du président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, et son exécutif, c'est plutôt de le rendre beaucoup plus attractif. On est plus dans la dynamique d'aller de l'avant. On est en train de faire des études pour le rendre beaucoup plus attractif. S'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le pays organisateur sera connu incessamment. Il y a plusieurs pays qui ont déposé leur candidature pour accueillir la CAN 2025. L'idéal serait que les deux pays voisins, Maroc et Algérie, l'organisent. Ça, ce serait l'idéal. Mais on pense qu'on va aller dans une différente forme. Mais vous savez, la CAF a rehaussé les standards d'organisation de ces compétitions. Donc, pour le moment, on a quelques candidats, 5 ou 7. Et puis, il y aura une équipe indépendante d'évaluation qui va parcourir les différents pays candidats pour voir s'ils sont à même d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc, une décision ne sera prise seulement après les rapports de la commission d'évaluation. Après la zone de turbulence, le football congolais a enfin ses statuts harmonisés CAF-FIFA-FECOFA. Que va-t-il se passer pour un avenir radieux? Les statuts ont été déjà révisés. Et puis, d'après le droit congolais, les droits associatifs congolais, si je ne me trompe pas, il fallait que ça soit validé par un journal. Ça, c'est déjà un grand pas. Mais il ne faut pas oublier, il y a des ligues provinciales. Donc,
Congo, RDC, il a 26 provinces, donc 26 ligues provinciales. Toutes ces ligues-là doivent avoir des statuts et puis les membres doivent être élus. Il faut commencer d'abord par là. Donc, ces provinces, ils vont reprendre les dispositions impératives de statut de la FECOFA pour les répercuter dans leurs propres statuts. Donc ça, ça va prendre aussi un temps, c'est un travail à faire, parce qu'on ne peut pas aller des élections alors que dans le ligue provinciale, les membres qui sont là, ils ne sont plus élus. Leur mandat sont déjà terminés depuis longtemps. Donc il faut refaire les statuts et refaire les élections au niveau de province après arriver au niveau de fédéral, enfin national. Vous savez, le Congo, c'est un continent. On ne va pas laisser là dire que pour la province de Maniema, il faut envoyer des experts aussi qui viennent de Kinshasa, même de l'extérieur, pour aller les accompagner. Donc ça va quand même prendre pas mal de temps. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quand. Vous savez, c'est comme l'avenir de chacun. Il dépend de ceux qui saisiront les opportunités qui leur sont offertes. La Fédération congolaise de football, comme les autres fédérations à travers le monde de la FIFA, mais parlons, restons dans le cadre de l'Afrique, les fédérations africaines, ils ont reçu les aides, je ne dirais pas les aides parce que c'est leur argent en tant que membre, ils ont reçu le soutien nécessaire, le soutien financier et humain pour développer le football. Donc c'était à eux de transformer ça en résultat. On peut en parler pendant des heures et des heures, mais vous savez, ça dépend des personnes. Il ne faut pas regarder des intérêts personnels, régler des comptes personnels. Il faut regarder le développement de votre football. C'est ça la clé. Quand vous considérez, quand on commence à considérer la fédération comme des gabelots, c'est-à-dire le magasin, on va aller chercher l'argent, ou on va chercher l'argent pour soi, pas pour développer le football, la fédération ne peut pas avancer. Vous savez, la Confédération africaine est là pour impulser, aider les fédérations à développer le football. Mais c'est aux fédérations de venir, c'est à eux de l'implémenter, de la mise en œuvre, c'est à la fédération. Donc l'avenir du football congolais, ça passe par le football féminin, à mon avis, par le football féminin, par le football de jeunes, et puis par la formation d'entraîneurs qualifiés. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a même pas un centre technique. Pour un pays de 100 millions d'habitants, il n'y a pas un centre technique. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Moi, je suis allé, j'ai vu des crapauds dans la piscine. Donc, il y a un espace. Il y a un espace à disposition pour créer un centre technique. Je vais vous dire un secret, madame. J'ai rencontré le président de la République. Parce que je suis allé leur remettre la lettre d'invitation pour venir à la CAN. C'était la CAN au Cameroun. Il a la volonté d'aider la fédération à construire un centre technique. Il m'a même parlé de comme la Clairefontaine. Pourquoi il n'avance pas, je ne sais pas. Parce que peut-être, il n'a pas confiance aux dirigeants qui sont là. Donc, l'avenir du football congolais, pour moi, ça passerait par là. Football féminin, formation au football de jeunes, filles et garçons naturellement, et ben ensuite, la formation d'entraîneurs qualifiés. Et absolument, on a besoin de ça. Il faut créer un nouvel avenir. Il faut regarder de l'avant. Le passé, il y avait des grands joueurs. Ok, ça c'est le passé. Il faut qu'on regarde l'avenir du football congolais avant de penser à rester toujours dans le passé. Vous savez, au Tchad, ici, quelqu'un m'a dit, ah, parmi les favoris, c'est la RDC. Il se rappelle de Tchad gagner. Oui. Mais personne ne regarde la situation actuelle. Donc il faut regarder devant. Il faut mettre des bonnes personnes, des nouvelles personnes à la Fédération congolaise. Des nouvelles personnes à la Fédération congolaise. Et puis, cette chaîne de contribution, depuis, je ne sais pas où ça commence, si c'est le ministre des Finances, ministre des Budgets, il faut ouvrir, c'est simple, ouvrir un compte dédié à la fédération. Je vais vous donner un exemple. La fédération sénégalaise de football donne le programme des matchs de l'année. Ils savent qu'on va jouer 4 matchs à l'extérieur, c'est 7 hôtels où ils vont loger. La délégation
Le gouvernement paye directement. Mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut de bonnes personnes. Je ne sais pas. Ce n'est pas compliqué. Parce que toutes les fédérations le font. C'est pas, on ne demande pas d'envoyer une fusée sur la Lune. Ce n'est pas compliqué. Juste l'organiser, c'est tout. Et puis, ministre des Finances, M. Nicolas, il a bonne volonté de contribuer à ça. Mais je ne sais pas où ça coince. Donc, il faut de bonnes personnes, de nouvelles personnes à la Fédération congolaise de football. Notre fédération vit dans le 18e ou je ne sais pas quel siècle. Quand on voit, il y a une liste des distributions, des primes, les dirigeants reçoivent plus que les joueurs. Mais c'est quoi ça? On est où? Ils sont des bénévoles, les dirigeants de football. Au niveau de nos fédérations, c'est des bénévoles. Avant de pouvoir prétendre l'argent, il faut amener de l'argent. Si la fédération congolaise aujourd'hui, il amène des sponsors, il produit de l'argent, c'est normal que les dirigeants soient rétribués. Quand vous ne produisez rien, mais vous attendez à quoi? Non. Produisez de l'argent avec la fédération congolaise. Un pays de 100 millions d'habitants. Croatie, ils ont 3 millions d'habitants. Ils ont joué deux fois demi-finale. Et puis la finale. Les relations Confédération africaine de football, gouvernement congolais sont au beau fixe. Le Congo, il a 5 millions d'habitants. Je pense que les autorités congolaises ont compris que ce n'est pas à leur intérêt, ni l'intérêt du football congolais, pour s'immiscer dans les affaires courantes. Attention, courant du football congolais. Mais les autorités congolaises ont les droits absolus de vérifier l'argent qu'ils ont mis à disposition de la Fédération congolaise pour l'équipe nationale. Ça, ils ont le droit de le faire. Ça, c'est pas des limitations. Je même l'encourage de le faire. Le football congolais est agonissant et très malade. Il faut pour cela une thérapeutique de choc. Humblement, je voulais simplement dire que le foot congolais, il est descendu à tel niveau, il n'a seulement pas touché les fonds, il a descendu encore. Ça fait mal au cœur aux gens qui connaissent la passion du football au Congo. C'est un pays de footballeurs, c'est des passionnés de football. On ne peut pas laisser ça à deux, trois personnes de détruire le football. Il faut de nouveaux dirigeants qui mettent l'intérêt de nos jeunes filles et garçons avant leurs propres intérêts. Pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'un pays comme le Congo, regarde, on a fait le tirage de moins 17. Ils ne sont pas là. Le Congo, dans le football, il est absent partout. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Moi, je pense que le Congo perd chaque année à peu près 75% de talents. Parce qu'ils ne sont pas détectés, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas entraînés. Personne. Ils ont zéro statistique, savoir même combien de joueurs sont au Congo. Ils ne savent pas. Donc, c'est un pays qui a des talents. Il faut que tout le monde se parle, se mette ensemble, laisser les intérêts individuels de côté, travaillons ensemble pour le football congolais. Voilà, Véron Mosengo, ambassadeur général de la Confédération africaine de football. Et comme c'est un compatriote, il est congolais, nous nous sommes dit que c'est l'occasion de saisir la balle au bon, de le rencontrer, et il a vomi tout ce qu'il a sur le cœur pour aider le football congolais avant de l'arrivée. On doit trouver les bonnes personnes, on doit trouver les personnes disponibles, les personnes bénévoles qui ne viennent pas dans une fédération pour prendre l'argent de la fédération et s'enrichir. Des personnes bénévoles, plein intelligentes, qui vont venir réfléchir comment faire football de féminin, il faut le développer, surtout le football des jeunes. Les délégués de la FIFA et de la CAF ont visité les centres techniques Ouar Mpova, ils ont vu les crapauds. Donc cela veut dire que ce centre est abandonné, mais Dieu merci, et Véron a dit qu'il a rencontré les chefs de l'État qui est disposé à financer, mais je suis sûr que le président Tshisekedi attend les nouvelles élections, quand il y aura les bonnes personnes, certainement qui donnera des instructions, et l'État va donner les fonds. Parce qu'il faut que les fonds soient gérés par des personnes sûres.
par les cupides qui viennent à la fédération pour s'enrichir. Maintenant, ils sont dans le processus électoral avec les 26 provinces qui doivent renouveler leur comité parce qu'il y a des gens qui gèrent des ligues en province depuis 20 ans, n'ont jamais été élus. Vous connaissez l'ancien système, c'était des camarades qu'on nommait, c'était des copains pour consolider les pouvoirs. Tout ça a été fini parce que les statuts ont été validés. Merci, M. Véron, pour nous avoir mis sur la piste sur laquelle on était déjà engagé. Mais comme maintenant, il y a les statuts révisés et confirmés par la FIFA, je pense qu'on est dans la bonne direction. Alors, M. Simon Mwaka, c'est un Congolais que l'équipe de la RTNC a rencontré à Annaba, en Algérie. Lui aussi, totalement déçu par la prestation de notre équipe nationale. Notre équipe de reportage a profité pour poser cette question. Quel est l'avenir de Congolais, de la communauté congolaise à Annaba? Et Simon Mwaka, c'est un ancien de la Fédération Congolaise des Cyclistes, mais maintenant il est résident en Algérie, à Annaba, où il travaille, il est là avec et sa famille. Lui aussi a parlé de l'avenir du football congolais. On écoute. Je suis à Annaba depuis 2018. Je suis cadre dans une société d'appelas d'un groupe d'une multinationale. C'est vraiment une grande déception parce que la plupart des équipes qui étaient ici avaient peur de la RDC parce qu'ils disaient tout le temps nous allons rencontrer une équipe de la RDC qui est habituée du CHAN. Il a déjà décroché 2 trophées. Donc, toutes les équipes adverses qui devaient croiser le Congo avaient peur. Et moi, je me souviens même au niveau du service, la plupart des gens sont venus au stade pour dire « Monsieur Simon, on va soutenir votre équipe parce que c'est une grande équipe. On a peur de cette équipe. » Mais j'ai été complètement déçu de voir la prestation parce que j'ai assisté à la prestation. Vraiment, c'était en dessous de la moyenne. Et j'avais même dit, à l'époque, quand on m'avait posé la question, j'ai dit qu'on puisse revoir et réorganiser les milieux du terrain et l'attaque qui n'ont pas tourné. Et malheureusement, je croyais que le message était passé. Eh bien, le dernier match, c'était encore pire. C'était vraiment... je n'ai pas reconnu une équipe de la RDC. Je n'ai pas reconnu. On était favoris parce que la plupart des Algériens qui sont venus soutenaient la RDC. Mais ils ont tous été dessus et chacun passait pour me dire « Ah, du courage, vraiment, 3-0 pour me consoler. » Mais j'en suis sorti vraiment et complètement dessus. Moi, plutôt, beaucoup de gens, parce que je connais à peu près, je suis habité avec les Algériens. C'est quand même ma 5e année ici. Et comme je suis aussi bien avec eux, j'ai quand même beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Et ils m'appelaient pour me réconforter, même au niveau du travail. Ah, du courage, ce n'est pas grave, et on va recommencer. Mais moi, j'étais fortement humilié parce que tout le monde savait qu'on allait gagner. Pour moi, je crois que c'est tout qu'il faut refaire. Parce que l'équipe, je n'ai pas reconnu une équipe, quoi. Pour moi, je ne sais pas. C'est quelle division, je ne sais pas. Il n'y avait pas de meneur de jeu. Ce n'est pas comme dans d'autres équipes où je ne vais pas faire la publicité des joueurs, où vous savez que même si on est comme ça, il y a un qui va sortir. Quand je vois encore, j'ai même parlé au stade, j'ai dit à certains journalistes, j'ai dit, quand je revois encore notre match contre le Congo-Brazza, où on a pu remonter le score en moins de 12 minutes, je ne retrouve pas cette équipe. Alors je ne sais pas, est-ce que l'entraîneur qui est là, pourquoi il ne pouvait pas? J'ai vu au stade, j'ai vu Montoubile Santos, ce sont quand même des anciens. Est-ce qu'il a pu les contacter pour voir, demander conseil et revoir tous les systèmes? Parce que moi je dis c'est tous les systèmes qui n'ont pas marché. Quand je vois l'équipe évoluer ici, si c'est la même figure que je me fais pour l'équipe, j'ai peur, quoi. Sur le sport congolais, pour moi, je veux qu'on puisse faire une grande réforme. Je crois qu'il faut copier certaines bonnes habitudes. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai constaté? Dès le bas âge, vous verrez, il y a plein de terrains de football avec déjà de la pelouse synthétique. Donc les enfants jouent avec la pelouse synthétique,
ma petite fille, elle fait le basket à l'école de basket. Donc, il commence le sport trop jeune. À la base. Donc, et là où fait le sport ma petite fille, il y a plusieurs. Donc, le matin, on commence par les plus petits, les moins de 12 ans. Et après, c'est ceux de 12 ans jusqu'à 16 ans. Et après, ceux de 16 ans. Il y a, donc, tout est structuré, le sport d'âge. Et c'est comme ça que vous avez vu au stade d'Annaba, il n'y avait aucune équipe algérienne qui jouait, mais il y avait beaucoup de gens au stade. Tout simplement parce qu'ils aiment le sport. Et ça, je ne sais pas, nous devrons faire un effort pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et puis, nous devrons nous organiser. On doit éviter les improvisations, la désorganisation, parce que quand on n'est pas organisé, quand on veut travailler dans l'improvisation, on récolte les résultats comme ce qu'on a eu. C'est une débâcle que notre équipe soit éliminée juste au match au premier tour, quoi. Ça, ici, à Annaba, il n'y a pas de colonie. Les uniques personnes qu'on a trouvées quand nous sommes arrivés ici, ce sont des étudiants. Et à Annaba, il n'y a que les étudiants parce que, en fait, pour résider à Annaba, eh bien, il faut avoir une activité. Soit que vous étudiez, soit que vous travaillez. Pour tout ce qui est congolais, eh bien, je suis le seul congolais installé ici qui travaille et je suis résident. Je me souviens à l'époque de la Covid, pratiquement tous les étudiants qui étaient ici sont restés chez nous ici parce qu'ils ne savaient plus rester hommes. C'était invivable. Et nous, on a dit, écoutez, nous ne sommes avec vous ici, venez. Donc on est resté avec eux pendant pratiquement plus de 5 ou 6 mois. Et la maison était toujours, il y avait toujours tous ces étudiants-là. Malheureusement, depuis la Covid, il n'y a plus eu arrivé de nouveaux étudiants. Donc ça veut dire que tous les étudiants qu'on a trouvés sont tous partis. Je peux compter actuellement seulement, je crois qu'il reste combien des étudiants? 2. Et puis 3 étudiantes, c'est tout. Mais tous les autres sont rentrés au pays, ils ont terminé, il y a d'autres qui sont partis en France, au Canada, dans d'autres pays. Et depuis lors, il n'y a plus d'arrivée de nouveaux étudiants. Donc ça veut dire que le nombre est en train de s'effriter. Mais bientôt là, je crois qu'il y a 2 qui vont partir encore définitivement, parce qu'ils ont terminé. Mais après, je crois qu'il n'y aura plus personne comme étudiant. On va souvent à l'ambassade. De toutes les façons, c'est comme ça que même quand l'ambassadrice et toute son équipe étaient ici, ben, on n'a pas manqué d'être souvent ensemble parce qu'on a sympathisé, on se connaît depuis longtemps. Et effectivement, quand nous allons à Alger, là, il y a une plus grande communauté. Et souvent, nous avons le temps de croiser, de rencontrer et beaucoup d'autres Congolais. Mais pas ici, parce qu'ici, c'est en province et... Je peux dire que les résidents, nous sommes les seuls, à part les étudiants. Donc pour travailler, nous sommes les seuls. C'est la seule famille, c'est plus les étudiants. C'est tout pour Annaba. Je préfère ne pas trop commenter parce que eux, la plupart, ils vivent à Alger, à la capitale. Et moi, de toute façon, nous, on ne vit pas à Alger. Mais bon, on est souvent en communication, on s'appelle, et chaque fois qu'on croise l'une ou l'autre personne, on a ce sentiment-là de revoir un frère de chez soi et ça fait toujours du bien, quoi, d'être ensemble avec quelqu'un qui vient de si loin et on se retrouve ici dans un pays comme Algérie. Je préfère être réaliste et juste. Ben, c'est vrai que j'ai œuvré dans le cyclisme au Congo où j'ai même été vice-président de la Fédération de cyclisme. Vers les années 94. Mais bon, il faut dire qu'en étant ici, je n'ai plus pensé à cette discipline au Congo. Mais je suis ravi que vous puissiez me rappeler. Comme ça, de temps à autre, quand je viens en congé au pays, je ne manquerai pas de passer. J'espère que c'est toujours à dimanche. Que se trouve toujours la fédération, je ne sais pas. Mais je passerai voir la fédération, et c'est une puce à l'oreille. C'est une fédération où j'ai évolué, et voilà quoi. Il y a un problème de matériel.
En tout cas, si je prochainement, quand je serai au Congo, je ferai un effort, j'arriverai à la fédération. C'est un pays accueillant, on n'a rien à reprocher, il n'y a pas de tracasserie, il y a beaucoup de considérations. Et surtout, dans leur langue, dans leur bouche, ils répètent toujours, nous sommes des Africains. Donc l'africanisme, il y en a. L'hospitalité, ils en ont, parce qu'ils aiment aider. Ce sont des gens qui aiment aider. Je crois que certains de nos compatriotes qui étaient ici ont constaté, je préfère ne pas le dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres, par mon intermédiaire, qui ont rendu service tout simplement en disant, Simon, nous allons rendre service parce que tu es là, parce qu'on te connaît. Il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de l'hospitalité légendaire de certaines personnes ici, de certains grands responsables, tout simplement parce qu'ils répétaient, nous le faisons parce que nous sommes avec Simon, nous sommes bien avec Simon. Donc, je voudrais lancer comme message à tous nos compatriotes, dans les pays où vous vous trouvez, vous devez considérer que les pays d'accueil, il faut être en phase avec eux. Moi, je me suis intégré avec ma famille facilement. Pourquoi? Parce que chaque fois je leur dis, ah ça, si je vois que c'est l'Algérie par exemple qui joue contre notre pays, je dis, moi je suis algérien. Donc, je suis derrière l'Algérie. Et ça, ça fait du plaisir au pays. Et tout le temps, quand je lance des mots en arabe, je dis quelque chose de positif et tu vois, tout le monde est content. Il dit, ah oui Simon, toi tu reconnais notre valeur, tout ça. Donc c'est le message que je lance à tous nos confrères, tous nos frères qui sont dans d'autres pays. Le pays d'accueil, il faut savoir comment se comporter. Comme nous, on disait toujours, si vous arrivez quelque part, on danse à gauche, vous n'allez pas danser à droite, dansez aussi à gauche. Si danse à droite, danse à droite, et vous serez en paix. C'est comme ça que vous nous trouvez, que nous sommes, il y a la sérénité, on n'a pas de problème, on se promène calmement. Et il n'y a rien, et on a beaucoup de relations ici, et voilà, qu'on a pu tisser, tout simplement par la façon d'être et la façon de faire. Je suis à l'aise, ma petite famille qui est ici est très à l'aise, et chacun à son coin a des amis. Mon épouse a beaucoup de copines d'ici, moi j'ai beaucoup de copains d'ici, ma petite fille a beaucoup de copines et l'universitaire, la même chose. Donc, ils ont l'hospitalité. Les infrastructures, de toutes les façons, je crois que vous avez constaté que les infrastructures, ils les ont travaillées. Ils en avaient, mais à la veille des chambres, il y a beaucoup de travail qui était fait. Et pour moi, ils sont prêts pour accueillir, ils peuvent accueillir la CAN. Hein. D'abord, ils sont candidats. Ils veulent bien que la CAN se passe ici, mais tout le monde les dit qu'ils ont les infrastructures qu'il faut. Annaba, c'est une province. C'est ici que tous les matchs se sont joués. C'est dans une province. Il y a d'autres qui ont joué à la capitale. Il y a des qui vont se jouer à Oran. Donc, ils ont plusieurs stades. Et des stades qui sont dans un niveau très, très, très appréciable. Et nous, je crois qu'on doit... On doit arriver, les matchs peuvent se jouer dans d'autres provinces. Et puis, pas seulement avoir des stades, mais la communication. Parce que vous quittez ici, vous allez à Alger, il y a tous les moyens de communication. Soit vous faites la route, soit vous faites l'avion. Donc, vous avez toutes les possibilités de communiquer. Et nous, il faut qu'on arrive à ces moyens de communication faciles pour atteindre d'une province à une autre. Donc, les routes. Et ils ont beaucoup investi sur la route. Ils ont beaucoup de routes, de belles routes. Et ils ont investi sur tout ce qui est moyen de communication. Ils en ont beaucoup. Tu peux prendre les trains, tu peux prendre le bus. Quand tu prends le bus, on a déposé des gens qui sont partis par bus. Mais tu n'as rien à reprocher. Et tout est chronométré. Les heures sont calculées. Vous prenez votre bus, la gare, c'est une gare routière dans le nord. Et vous arrivez, vous quittez 22 heures. Eh bien, vous quittez minuit, à 6 heures, vous êtes à Alger. C'est quand même 600 kilomètres. Donc, je crois que c'est tout ça qu'on doit mettre en avant-plan pour que nous puissions compter aller de l'avant dans ce sport. À l'époque, il y avait Epefkin, il y avait tous les ententes professionnelles.
pourquoi on ne peut pas les dynamiser pour que, au moins, la base, c'est toujours mieux. Parce que quand on a préparé la base, le sommet sera bien. Merci Simon Mouaka pour votre contribution. Et nous restons toujours en Algérie pour signaler que, en tout cas, les différentes délégations congolaises qui passent par Alger ou par d'autres villes en Algérie ont toujours bénéficié d'un encadrement tout à fait exceptionnel et d'un accueil tout à fait chaleureux de la part de notre ambassade. On a vu pendant le Chan la disponibilité de l'ambassadeur. Elle était là jour et nuit, totalement impliquée. Elle a même déplacé, parce qu'Annaba c'est en province, elle a même déplacé le quartier général, son bureau, et s'est installée à Annaba pour être le plus près possible de notre équipe nationale. Ça, je n'ai vu nulle part, à travers nos autres ambassades que j'ai pu visiter à travers le monde. Et la maman assistait aux séances d'entraînement. Elle était à l'écoute. Elle ne voulait vraiment pas qu'il y ait quelque chose qui arrive à notre délégation. Elle se permettait même de rentrer dans le bus avec le joueur pour assurer les encadrements. Ça, c'est exceptionnel. Et il y avait beaucoup de médias congolais qui se sont déplacés, grâce bien sûr à l'effort du gouvernement qui met toujours la main à la poche. L'avion affrété par le gouvernement, les frais d'émission qui ont été remis à tout le monde. À tout le monde, même aux chaînes privées, tout ça, c'était pour permettre aux Congolais d'être très très nombreux. Et maman, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Algérie, Madame Rose Osako Okitundu, a décidé, n'est-ce pas, vers la fin, d'organiser une manifestation sympathique à l'honneur de tous les médias congolais qui étaient partis couvrir ces grands événements. Nous la remercions pour ça et nous remercions également Madame la ministre conseillère Liliane Karoum qui elle aussi n'a même pas fermé l'œil pour nous permettre de passer un agréable séjour. Je peux vous confirmer que le séjour était merveilleux au-delà du mauvais résultat obtenu par nos joueurs. Je vous prie de regarder cette sympathique cérémonie qui a été organisée par Maman Ambassadeur en l'honneur des médias congolais. En face d'une maman, c'est la progéniture, c'est la providence. D'habitude, selon la nature, les mamans ont de bons cœurs, donc des cœurs de famille. Maman Rose Okitundu nous a réussi, en tout cas, c'est une dame de fer. Une maman au cœur d'une dame, elle représente valablement le Congo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a reçu la délégation congolaise dans tous les compartiments. Le premier compartiment, c'était les supporters. Et puis par après, elle était avec le joueur. Et aujourd'hui, elle est en face de la presse sportive. Toute la presse sportive congolaise, toute tendance confondue. Bon, il n'y a pas de tendance en ce qui concerne la presse. C'est-à-dire que je parle des tendances, nous présentons l'audiovisuel, la presse numérique, la presse écrite. Et tout ça, c'est la raison pour laquelle je parle de toute la presse confondue. C'est-à-dire toute la presse sportive confondue. Et en tout cas, c'est une dame à féliciter. Elle est ici en Algérie, mais quand elle nous a reçus, nous sommes sentis au Congo. C'est-à-dire le Congo est valablement représenté avec une maman qui a un cœur de maman. En tout cas, la joie est tellement totale. Elle nous a bien reçus. Donc c'est une maman qui a un cœur de maman. En fait, je suis personnellement contente parce que c'est la première fois que je viens d'être reçue par
l'ambassadrice de la RDC, Madame Rose. Je suis très contente. J'ai eu à effectuer plusieurs voyages, dont la CAN de 2019 et puis le Cameroun. Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois, donc je suis très contente. Et j'ai dit sincèrement merci à Madame Rose parce qu'elle a été avec nous depuis Annaba. Pourtant, elle est casée à Alger. Elle n'a pas hésité à venir du côté de Annaba, malgré le froid qu'il faisait là-bas. Eh bien, elle s'est, je peux dire, elle a disponibilisé son temps, malgré son agenda qui est serré. Elle a accordé quand même le temps à nous qui étions là. Et aujourd'hui, nous sommes à Alger. Elle n'a pas hésité une seconde à nous inviter à sa résidence privée. Et nous sommes là. On a passé un très bon moment. On a passé un moment de dialogue, un moment de souvenirs. On a essayé un peu de parler ici de l'histoire. Donc, ça a été un moment riche, un dialogue. Et je suis très contente. Tout ce que je peux dire, c'est merci à Madame Rose. Madame l'ambassadeur nous a bien accueillis ici, chez lui. C'est comme si nous étions au pays, mais nous sommes un peu plus loin de la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne peux que la remercier parce que ça fait quand même du bien. Vous quittez la RDC et puis on vous reçoit par l'ambassadeur de votre pays. C'est parce que c'est elle qui représente le président de la République ici en Algérie. Donc, ça se passe bien. On a mangé, on a pris quelque chose à boire en tout cas. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Personnellement, je commence par dire merci à Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Madame Rose Okitundu. C'est d'elle qu'il s'agit. Je dis sincèrement merci parce qu'elle nous a choyés. Ici, nous sommes en Algérie, mais nous sommes en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à l'ambassade de la RDC. C'est vrai, nous sommes venus pour le championnat d'Afrique des Nations. La RDC était logée à Annaba dans le groupe B. En tout cas, madame n'a pas lésiné sur le moyen. Elle a préféré recevoir dans sa résidence privée la presse sportive, toute la crème de la presse. Donc la presse privée, mais aussi la presse officielle, donc tout le média d'une manière générale. Elle nous a reçus et elle a partagé un verre avec nous. C'était vraiment un grand plaisir. Nous disons merci à elle, mais aussi merci à tous les collègues avec qui nous avons partagé ces repas. Ça a été une soirée exceptionnelle. Voilà, super. Super cérémonie très très sympathique. Organisée par la maman l'ambassadeur Marie-Rose Osako Okitundu. C'était plutôt la résidence officielle, hein, pas la résidence privée. Vous avez vu les drapeaux, etc., etc. Et elle s'est véritablement comportée en véritable représentante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous étions heureux, surtout sa disponibilité. Elle a été là, elle a veillé à ce que les journalistes arrivent, soient accompagnés jusqu'à l'aéroport international d'Algérie pour prendre l'avion. Elle a veillé aussi à ce que les gens puissent faire la navette entre Alger et Annaba sans aucun problème. Merci, mais je signale que Madame Thérèse également, comme ambassadrice au Libéria, a fait la même chose. Elle nous avait très très bien reçus avec Flora Ibengue, avec l'équipe nationale. Il y a quelques ambassadeurs qui font exception, mais ils sont très très rares. C'est un des côtés. Nous souhaitons que les autres ambassadeurs, quand les équipes arrivent, il faut que les ambassadeurs se manifestent. Certains ambassadeurs arrivent même à mettre des cadenas devant la porte officielle de l'ambassade et on n'a pas accès. Ce n'est pas normal. Quand on se déplace comme ça, il vaut mieux se retrouver en famille. Merci à notre ambassade en Algérie pour tout l'encadrement. Alors, je dois vous signaler quelque chose avant de terminer. En boxe, notre compatriote junior Ilunga Makabu va défendre pour la troisième fois sa ceinture WBC de poids lourd léger. Ça sera dimanche 26 février 2023. Ça sera face au boxeur suédois Jack Badou. Les combats n'auront pas lieu à Kinshasa, comme les deux autres fois, mais ces combats auront lieu en Arabie Saoudite. Jacques Badou est un champion du monde WBC de super moyen et lourd léger.
WBA. Voilà Ilunga Makabu qui va à la reconquête pour conserver son titre de champion du monde de boxe. Nous allons certainement croiser le doigt et nous allons lui souhaiter bonne chance. Je remercie César Bodikango, les réalisateurs de cette émission, encadrée par Mireille Kissema Dokolo, avec les héros dans l'ombre, avec les jeunes également David, qui ont fait tout ce travail pour que nous puissions arriver chez vous. Nous allons vous retrouver très très vite avec toutes ces compétitions des clubs qui sont maintenant opérationnelles. Et les clubs qui vont jouer à Brazza, nous allons les accompagner par cette en face. Peut-être en Angola, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, les clubs qui joueront à Brazzaville, nous ne manquerons pas de traverser, 5 minutes de traversée. Nous pouvons aller là-bas pour appuyer déjà. Minova supporter avec le club Nakongo Brazzaville, Vea, Azoya, bon, c'est préparé, à Robeta Ouate, parce qu'il y a Kangi Stad. Donc, Vea, Koyakuna, Deringa, Lobia Robeta en Angola, Lopopa, Lobia Robeta en Zambie. Bon, mais. Mazembazana a un problème, t'es à Zanaï na stade, des alliés homologués. Mais le président Loba qui va aller au bête na stade et à Mazembazana. Le martyr de la Pentecôte qui n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football après la récente inspection des inspecteurs de la CAF. Ballon, belle protection de balle, un coup franc intéressant en faveur du Motema Pembe avec Kalonji Mounia qui va se charger de le frapper, le défenseur central, et pourquoi pas amener le danger dans cette surface de réparation. Ballon, ouais, ça sera peut-être un petit peu trop long, récupéré néanmoins, écarté, été vigilant. Garasova qui vient faire l'effort là pour presser. Un nouveau contact. Ah, il y a de l'agressivité hein, du côté de la SEC. Ouais. Essaye immédiatement de mettre en difficulté le porteur du ballon, de l'agresser. Ouais, les joueurs les plus proches hein, essayent d'aller très vite cadrer le porteur. Il faudrait que ça suive un petit peu plus hein, derrière. Les défenseurs centraux qui essayent de remonter le bloc, de mettre un petit peu plus de pression sur l'adversaire. Et on retouche. Alors, là, cette équipe du Motema Pembe qui a déjà brillé au niveau continental puisqu'ils ont remporté la Coupe des Coupes en 1994. Ça remonte, mais ça démontre voilà, que cette équipe a quand même un vécu au niveau évidemment national mais également au niveau continental. Mmh. Attention avec ce ballon dans la surface écartée. C'est pas sorti. Le centre tendu. Derrière on va récupérer avec Garasuba. Là maintenant c'est pas assez émouvant. Là, on a vu quelques situations intéressantes offensivement hein, de la part du Motema Pembe. Il y a de la vivacité, on a des qualités techniques. Yao pour la remise en jeu. Les supporters sont bien présents, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. On va revoir le petit contrôle. Une charge derrière, je pense que l'arbitre a laissé l'avantage. Allez, 12 minutes de jeu, toujours 0-0. L'équipe de la SEC Mimosa qui avait également brillé au niveau continental en remportant la Ligue des Champions, c'était en 1998. Donc voilà, ce sont deux clubs qui ont un vécu important dans les compétitions évidemment nationales mais aussi continentales. C'est également de cette Ligue des Champions en 1995. L'époque s'est imposé à Abidjan, état de Félix Houphouët-Boigny, devant 50 000 spectateurs face au
zimbabwéen Dynamo FC. Ça remonte évidemment, mais ça prouve que cette équipe est bien, pourquoi pas, un peu reposée sur son histoire. C'est vrai que c'est tout de la Confédération Fusimi est assez ouverte, hein, finalement. La Sekou Moussa qui faisait partie du pot 1 avec notamment du CM Alger, l'équipe des Pyramides également et du TP Mazembe. Donc voilà, ça veut dire positionné, on va dire, dans les bookmakers et dans l'indice, on va dire, africain. Ouais, cet après-midi, entre le Real de Bamako, 3 buts à 1. Ouais. Dans une belle ambiance, hein. Un stade plein, les yeux de Moïse Katumbi qui était bien présent. Ils auront un rôle à jouer, mais pour cela il va falloir évidemment bien rentrer dans cette compétition. Et pour l'instant l'équipe du Motema Pembe qui résiste parfaitement, n'est pas mise en difficulté, même si évidemment qu'au début de cette rencontre. Allez, Koulibaly pour ce corner. Fermé, les coups de pied arrêtés ont une importance capitale. C'est bien frappé de la part de Koulibaly. La récupération peut-être derrière avec cette frappe contrée également. Elle partait bien. Ouais, c'est très bien défendu, un très bon renvoi. Et on avait eu plusieurs joueurs avec les mains derrière le dos, hein, pour éviter, ouais, justement le penalty. Très intelligemment fait. Là, on la voit bien, cette défense à 3 côté de la SEC. On a quand même un petit peu de solution. Allez, on va passer par-dessus. Ah, c'est pas mal fait. Allez, on... une position de jeu là pour beaucoup. Dommage. Ouais, c'est dommage. Hein. Beaucoup, il doit être plus attentif. On va revoir son positionnement de départ. Ouais, c'est limite. C'est limite. Hein. Ouais, c'est ouais. Très, très limite. Très limite, hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas hors jeu. Là. Ça mène bien le ballon de la poitrine. Une nouvelle récupération ivoirienne dans ce milieu de terrain. Avec Dirasouba, ouais, qui a été accroché. Et qui va rester au sol. Et voici ce joueur très intéressant. Je sens que un joueur qui peut, sa qualité technique, amener des choses. Ouais, à chaque prise de balle, on peut apprécier sa technique, hein, son activité. On doit s'en méfier, hein, bien sûr, du côté congolais. C'est un des joueurs qu'on va devoir trouver entre les lignes qui puisse accélérer le jeu. C'est peut-être une des clés de cette rencontre. Et une nouvelle conservation des Ivoiriens. L'organisation est bonne, hein, pour l'instant. Ah, ça c'est bien fait avec Koulibaly qui a été fait, malheureusement pour lui. Il n'est pas sorti. Koulibaly, c'est bien fait avec beaucoup le centre. Il est intéressant. Et impeccable pour Hervé Boto devant Gaillet, l'avant-centre qui n'en a pas eu de munitions. C'était quasiment son premier ballon à négocier. Alors, on voit le centre. Boto, voilà. Mais on a vu aussi le jeu entre Koulibaly et Pokou côté gauche. Sorti avec Piana, sanctionné l'avant-centre pour ce coup de coude, j'ai l'impression.